Théophore. La nouvelle de tes actions à Théophore s'est répandue comme un feu de broussaille. Et bien salut tout le monde, c'est Xvisky, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Assassin's Creed Valhalla. Allez, on va lancer l'assaut. Il va y avoir de la guerre, allons-y. Notre objectif est Burg Castle, que l'on dit inexpugnable. Bien, ainsi l'ennemi sera encore moins vigilant. Sous le couvert de la nuit, Valdis mènera le Fyrd à la Grand Porte. Cela distraira les hommes de Roued, et nos forces rejoindront la porte maritime sur les eaux noires. Et une fois à l'intérieur, nous ouvrirons tous les accès au château. Il faut empêcher les hommes de Roued de se retrancher davantage. Ton navire, est-il prêt ? Il attend son moment de gloire. Il faut que tu leur parles, Eivor. Oswald n'était pas un homme à rechigner lorsque vous aviez besoin de lui. C'était un homme généreux, juste et fort. Un homme qui a donné sa vie à son clan. Rendez-lui cet honneur. En sa mémoire, battez-vous avec autant de courage que lui. Pour Oswald ! L'heure est venue. Aujourd'hui, nous allons débarrasser à jamais l'Est Anglie du clan de Roued. Tu te souviens du rêve dont je t'ai parlé ? Tu rejoignais le Helheim à bord d'un navire en feu. Peut-être une réalité aujourd'hui. Les rêves, la vie, sont-ils une seule et même chose après tout ? Dialogue ? Ok. Soir, ah si. Je monte le destrier marin de feu. Bâton des Yanimgar en l'air. Au galop, je cours à la ruine et à la fin du monde. Tenez-vous prêts. Les chiens de Roued vont nous voir venir. Maintenant !
Charge ! Bim ! Bam ! Ne inquiétez pas, je vais les mettre en pièces moi-même. Bim, 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 bim. Waouh, oh mon dieu, tu m'as fait peur. Allez. Oh, pauvre petit chou, tu es dead. Attendez les mecs, je vais vous aider. On recule. À l'assaut! On recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule. Et à l'assaut! Mais c'est une blague! C'est quoi cette porte trop dure là? Ah bah voilà! Un problème de moins! Et plein d'ennemis gratuits à tuer! Oh mon dieu! Oh j'ai peur! Oh! Oh! Oh j'ai mal! Viens ici ma grosse! Allez, c'est entre toi et moi là! Oh, t'as peur? T'as peur? Oh la tête comment elle a volé! Salut! Vas-y, cogne ma salope! Oh putain! Allez, bouffez! Oh ouais! Je vous reprendrai bien un petit peu de hache! Et boum! Et boum! Oula! Monsieur, vous avez une arme de destruction massive entre les mains. Non, les copains. Oui. Bon, attendez les mecs, je vais vous donner un coup de main. Oh putain. On va pouvoir passer dans le feu ou pas? Oui. Boum. Oh bordel. Vite, 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 vite! Ah, bah, il est vrai, le monde derrière. Oh, oh, oh! Faut vraiment. Bon, je vous laisse gérer, attendez un instant. Oh, pff, d'accord! Je vais pour l'aider, ce con il se remet. Bon, vous allez y arriver, les mecs, ou pas? Oh mon dieu, c'est quoi ces moules de guerre là? Laissez-moi ça! What? D'où je brûle? Allez, oh. Ouais, je suis pas sûr qu'on va pouvoir se protéger du feu. Ah, mais le feu c'est casse-couille quoi. Enfin! Il y a de la besoin quoi? Oh! T'as réussi à me taper gros! Allez viens! Quick! Non! Casse-toi les bords! Hop! Voilà! Vas-y, tu es vos potes! D'où? Oh bon. Comment il a volé! Allez hop, il y a de la bœuf ici, hop, on prend de la vie! Eh ben non, tu meurs en premier! C'est bon, ils ouvrent la porte ou pas? Comment ça, je peux pas ouvrir la porte? Salut à toi, Valdis. Qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Hein? Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Tu veux recommencer? Allez, vas-y! Vas-y, couillon!
connard. Bon. Par contre, je veux bien péter la porte, mais je la pète comment en fait? Parce que... Ah, mais merde, y'a plus le... D'accord, je vais l'amener en fait. Oh, mais sérieux les mecs? D'où tu sors toi? Bon les mecs, allez tant pis, on y va. Ah, je brûle! Je brûle! C'est bien, je travaille en solo aujourd'hui. Un petit coup de main? Ah ouais, enfin. N'inquiétez pas les mecs, on va y arriver. Laissez-nous deux secondes. Je sais pas sur qui il tire, mais bon. Ah d'accord, le jeu fait... Oh putain, il y a 4 ennemis à l'intérieur de ça. Ah mon dieu, ça lance de l'huile, ça lance de l'huile, ça lance de l'huile. Chargez ! Allez, on va y arriver. Statistique note important. Ah oui, on y est prêt, t'inquiète. Allez, mais casse. Oswald, il est en vie. Oswald est en vie! Vivo, c'est bien toi! Ferme-la, échine de roseau. Tiens bon! Tout sera bientôt terminé! Ne t'inquiète pas pour moi! Tu dois empêcher... Silence, charogne! Alors nous y voilà, amis des loups! Deux Danois qui s'affrontent pour un fils de chienne de Saxon! Si tu veux ce pourceau, tu devras venir le chercher. C'est tout? C'est tout ce que je dois faire? Venir le chercher? Mais c'est... Easy peasy, Lucette, voyons! Attendez, je m'occupe des ZAD. Ouais, Dream quand même. Allez, boum. Allez, fils de Thor, là. Avec tes marteaux, là. J'arrive. Oswald, tiens bon. Baston. Oh non. L'ami des Saxons vient se battre. Tu diriges un clan de scélérats, Rouen. Oui, mais qui saigne à blanc ce pays depuis deux étés. Pas, Rouen. Tant que la pitié revient à l'âme. Pas d'avoir pillé tout ce qu'il y a sur ce village. Tu dois être aveugle pour le soutenir. Le Niflheim et sa froidure. Nous devons régner sur eux, amis des loups. Les asservir, pas les traiter en égaux. Nous valons mieux qu'eux, tous autant qu'ils sont. Ne me traîne pas dans cette fosse à purin, ou tu te vautres. Le Niflheim et sa froidure. Désolé, j'avais pas vu que je m'étais mute. Le Valhalla est mon seul destin. Mais je ne peux pas y aller aujourd'hui. Cette contrée est peuplée de faibles. Wow. Et tu ne fais pas exception à la règle. Gentil pour moi, ça dit donc. Pourquoi une... Mais le feu peut tout purifier.
Tu seras pour un roi saxon. Les sagas se moqueront de ce jour. Pourquoi une danoise se battait-elle au profit d'un saxon? Et surtout de celui-là. Il possède en abondance quand tu manques. De régner, de diriger. Merci. Tu te commets avec ces bons à rien, ces verras, et en échange de quoi? D'un lopin de terre et d'une promesse de paix? Eivor, non! Il doit être jugé devant Dieu, une assemblée légitime. Mon règne ne commencera pas en versant plus de sang que nécessaire. Un autre affront flagrant. Pour les méfaits qu'il a commis, cet homme doit mourir. Les anciennes lois sont claires. Ce sont les terres d'Oswald, où il doit régner comme il l'entend. Eivor s'incline devant les rois. Défier un roi, c'est l'humilier. S'il perd son honneur, l'Est Anglie ne pourra guérir. Et ton honneur, Eivor, jusqu'où consens-tu à le sacrifier? Le roi légitime d'Est Anglie t'a fait grâce aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi. La compassion est une vertu qui sied à chacun, Eivor. Toi y compris. Merci. Je devrais aller voir Oswald et m'assurer qu'il va bien. Loué soit le père de tout. Merci de m'avoir écouté, Eivor. Je connais la valeur d'un tel geste. Tout ceci ressemble à un rêve. Sauf que tu ne dors pas. Vous vous êtes bien battus, tous les deux. Tu es là aussi, mon vieil ami. Si j'avais su que tu étais encore en vie, je serais resté à Norwich. Regarde autour de toi. La joie règne, et nous avons triomphé. Et bientôt, un grand événement aura lieu. Nos épousailles, mon amour. Enfin, si tu veux toujours de moi. Pourquoi te rejetterais-je ? J'ai mal combattu. J'ai laissé l'ardeur et la colère de cette brute avoir raison de moi. Et je... Assez, Oswald. Tu t'es battu. De tout ton cœur et de toute ton âme. Je ne demandais rien de plus. Dans ce cas, il y a beaucoup de choses à préparer. Une femme à épouser et un royaume à diriger. Certains seraient prêts à tout pour ça. Et beaucoup sont morts pour l'obtenir. Et toi, Finr, cela te rend-il envieux? Certes non. J'ai le cœur ardent, mais les os fatigués. J'aspire seulement à une bonne sieste. J'ai vu un tas de foin un peu plus loin. Plus tard, Eivor. Pour l'instant, je dois prendre soin des blessés. Alors, on se reverra au mariage. Oui, et j'y compte bien. Je dois retourner à Helmenham. Le mariage d'Oswald est pour bientôt. Alors, vous me connaissez, dans ce genre de cas, techniquement, je l'aurais tué. Mais... vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce geste. Faut juste... Ah, mon écouteur va bien se remettre au bon endroit. Ah, c'est là-bas, ok. D'abord, mes compétences. Je vais vous montrer... Enfin, je vous le dirai quand on sera au mariage, justement, parce qu'il va se passer un truc au mariage. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait provoquer quelque chose. C'est ici le mariage ? Ça a l'air. Ouais, ça a l'air. Et je vous spoilerai pas ce que c'est en fait.
Les préparatifs du mariage battent leur plein. Oh, c'est mignon, ils ont tout décoré. Je vous ai dit que j'étais nul pour viser à la manette. Allez, moi je fais mes récoltes. Oh putain, juste pour un cuir, ça vaut tellement pas le coup de gaspiller des flèches. Oh, ça a l'air joli, dis donc, ici. Allez. Ça va bientôt commencer. Oh, magnifique. Une belle et digne célébration, Seigneur. Merci. Puisse cette fête augurer de l'avenir de l'Est Anglie. Ça te ressemble bien de faire attendre un roi à son mariage. Et pourtant, je suis bien là. Je craignais que tu ne viennes pas. Je t'avais bien dit que je te ferais couronner. Et ce moment est arrivé. Sans toi, je serais mort. Un autre espoir envolé pour l'Est Anglie. Tu as l'air en forme, Oswald. Comme un homme prêt à épouser une femme plus puissante. C'est vrai. Pourtant, mes nerfs sont pas vifs. De toutes les batailles qu'un homme doit mener, la plus difficile est la guerre contre lui-même. Je vous déclare maintenant mari et femme, et à ce titre, je vous nomme... Oswald Delmenham, premier du nom, roi légitime d'Est Anglie, et sa dame Valdis, âme, point et beauté de ses terres. Tu as réussi, intendant. Désormais, un roi occupe le trône d'Est Anglie. Ne t'exclus pas de ce champ. Nous y sommes parvenus ensemble. Tu peux retrouver tes rêves, de feu et du Helheim. J'ai perdu mon chemin il y a quelque temps. Difficile de dire quand. Ça m'a toujours déplu d'être ici. C'était le rêve de Halfdan. Il m'a ordonné de l'accomplir. Dans mes rêves, je navigue. Tu te souviens ? Le vent dans ma barbe, le sel sur mes lèvres. J'aimerais retrouver cette vie. Seul le temps dira si j'y parviendrai. D'ici là, mangeons, buvons et oublions nos souffrances! Ah, with Bert. Where is the boy?
Eivor, un défi. Eivor, amis des loups, admire mes peaux. Ils sont solides, mes peaux. Impossible de les briser à cette distance, hein. Je ne crois pas à brotir. Mes flèches brisent tout ce qu'elles touchent. Après avoir bu autant d'hydromel, si tu réussis, je t'offre une récompense. Garde les yeux ouverts assez longtemps pour m'admirer, outravière. What? Les filles commencent, ouais. Désolé, je suis passé au clavier souris là. Oh merde! Comme voilà. Tout le reste, une tâche facile pour l'ami des loups. Ah, c'était plutôt facile. Impressionnant, vraiment. Tiens, comme promis, maintenant profite de la fête. Si vous avez entendu la coupure de son, c'est parce que je suis passé en mode souris pour, pour bien viser, parce que vous me connaissez, moi et manette, ça fait zéro pour la viser. Salut! Ton poing manque de bière. On va arranger ça. Il doit falloir un sacré courage pour boire avant le nouveau roi. Un courage qui ressemble au nôtre. À Odin, et à ses gloires éternelles. Et au nouveau roi d'Est-Anglie. Puisse son règne être long et juste. Pas mal, ami des loups. Je parie que tu es incapable de boire plus que moi. Ce pari n'est que folie. Mais ça reste un défi. Qu'en dis-tu? Ok, je te nique. Je vais te faire rouler sous la table. Allez. Tu ne manques pas d'assurance. Oh oui. Que tu vaux face au prince de la bière d'Est-Anglie. Le prince de la bière. Intéressons la chose. Nous allons. Ah ben oui, un peu d'argent, ça me dérange pas. Qu'en dis-tu? Allez, vas-y. D'accord, j'accepte. 130, ça va. Allez. Voyons voir si je vais bien, si je vais y arriver. Skull! Bois! Skull! 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 Il va commencer un jour. Il va commencer un jour. Skull! 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 Merde! Putain, quel couillon! J'ai totalement foiré, fait chier! Tu vas bientôt embrasser le sol. C'est pas facile de faire QTE en même temps, en vrai. Ça devrait gérer. La bière d'ici! Elle est forte! Mais je suis plus forte qu'elle! Oui, et que moi! Tu bois aussi bien que Valdis! Je paierai cher pour voir ça! À propos de paiement, où est mon argent? Tiens, tu l'as mérité, ami des loups. Le sanglier est symbole de fertilité. Tu le savais? Tout comme Freyr. Où veux-tu en venir? Tu m'impressionnes, Eivor. Ta compétence au combat, ta force de caractère. Tu as tellement de talent. Pourtant, je me demande si je pourrais t'impressionner avec l'un des miens. Même un fou a quelque chose à enseigner, qu'il en ait conscience ou non. Ouais. Mais je pourrais te montrer comment se manie mon épée de labour. Parle franchement, verge dur. Tu veux coucher avec moi, c'est ça? C'est ça. Tu acceptes de me suivre dans un lieu confortable? Une bonne épée de labour est une chose rare. Je te suis.
Par les dieux. Oh, ça mérite les vers d'un chant de Skald. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ah merde, c'est qui? T'es Brodeur, non? Moi aussi, Brodeur. Ça vaut largement toutes les sagas. Ça reste une nuit exceptionnelle. Alors j'ai dit aux Danois, tu auras la laine et le Saxon aura... Oh putain, j'ai eu un doute là. Oh putain, ils font quoi là? J'aimerais bien me joindre à toi, mais malheureusement, Eivor a un peu plus de mal que Cassandra à se déplacer sur les murs. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? C'est bien ici, non? En hauteur, qu'il vit le dieu des Saxons, parce que moi, je l'ai pas vu. On dit qu'il se complaît dans le mystère. Regarde, la lune. Elle a l'air paisible. Mais un jour... un loup géant la dévorera, et les nuits seront à jamais noires. Tu es sûr que ça va? J'ai de nouveau goûté à la gloire. Et ça m'a plu. Ravi de l'entendre, mais... j'ai toujours eu l'impression d'être Skull ou Hati, à poursuivre et tâcher de réaliser les désirs de Halfdan. Mais j'ai enfin attrapé mon soleil et ma lune. Et je ne sais pas. Relâche-les. Pars pour un autre rivage. Mon navire est au Valhalla. Tu l'as oublié, allumeuse de brasier? Allez, il est temps de redescendre. Oh, oh, ce que ça tourne. Tu es très forte. Et toi, tu es imposant. Ah, pardon, Eivor. J'ai connu une dernière gloire. Je devrais être heureux. Et je suis heureux. Merci. Ce n'est peut-être pas la dernière? Pas la dernière. Très bien. Bon, assez joué comme ça. Il faut que j'aille voir comment va Oswald. Eivor, je vais m'adresser à mes invités, et j'aimerais le faire en ta présence. Ça a été une très agréable cérémonie. Et tu t'es suffisamment amusé? Je suis prête à t'écouter parler à ton royaume. Bien, viens alors, rejoins-moi. Chers amis et invités, nous avons connu des temps difficiles. Nous avons l'impression de n'avoir goûté qu'au malheur et la souffrance. Mais ce n'est pas le conflit qui nous unit. C'est la compassion. Puissions-nous toujours faire preuve de compassion, même lorsque nos ennemis la rejettent. Alors, à mes amis et voisins danois, j'adresse mes remerciements pour leur courage durant notre lutte commune. Et à mes frères chrétiens, puissions-nous continuer à incarner l'exemple de la grâce du Seigneur, telle des lumières dans la nuit. J'ai devant les yeux l'avenir de l'Est Anglie. Il est en ce moment même en chacun de vous, danois comme saxons. Alors, à notre avenir! Il reste un peu mou côté insoumis. Mais ce roi... et à Eivor, sans qui rien de tout ceci n'aurait été possible. Au nom de l'Est Anglie, que cet anneau témoigne de notre loyauté envers le clan du Grand Corbeau et tout ce qu'il a accompli pour nous en ce jour. Aurais-tu quelques paroles sages à nous dire? Au bon roi Oswald! Skål! À Oswald! Skål! 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 Très bien, la course nuptiale va commencer. Rappelez-vous que vous devez tous laisser gagner les nouveaux époux.
Tenez-vous prêts! La course nuptiale va commencer! Le roi et sa promise contre tous! Au roi! Les moutons à qui tu avais confié ma garde ont fini tondus. Oswald! Roi des fouteurs de moutons! Montre-toi! Je te défie. Et je l'accepte. Oswald est roi, et un roi se doit d'avoir un champion. Je combattrai pour lui. C'est moi qui l'a défié, Eivor. Ton combat est plus grand, Oswald. Il est de rebâtir l'Est-Anglie, et un roi mort ne peut tenir ses promesses. Laisse-moi me charger de ça. Oswald, fils de porc sans bourse, je tuerai l'ami des loups et je te pendrai par la langue. Ah bon ? Toi, toujours sur mon chemin. Tu comptes vraiment gagner là ? C'est tout ce que t'as ? Mais fais-moi rêver un peu là ! Oh ! Oh putain, j'ai pas réussi. L'Est-Anglie peut bien brûler. Putain, mais donne-moi un défi là, oh. Eh couillon là, tape. C'est tout ce que tu sais faire. J'aurais aimé éviter ça. Tous ces morts. Toute cette rage. Ce qui est fait, est fait. Tu pars à présent ? Il le faut. Ton mariage doit être un jour de paix et de bonheur. Et je n'incarne ni l'un ni l'autre. Eivor, tu as rendu un grand service à l'Est-Anglie. Je t'ai promis une alliance. Considère-la comme acquise. Un jour, je te demanderai de respecter cette alliance. Il faut que je trouve Finr pour le saluer avant de partir. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Enfin, si je trouve Finn. Finn ! Finr ! Finr ! Bonjour, ça va ? Ah, salut à toi, Eivor. Tu rates les festivités ? J'ai eu mon content. Elle t'honore autant qu'Oswald, tu sais. Je me sentais fini, Eivor. Avant tout ça, je croyais mourir sans avoir rien accompli. Mais aujourd'hui, mon cœur brûle de nouveau. Je veux vivre intensément et mourir debout. La gloire se moque de l'âge, Finr. Viens avec moi. Mon navire a toujours besoin d'un homme sage, habile à manier la hache. Ensemble ? Ensemble. Je vais chercher mes affaires. Et voilà, c'était pour ça en fait. En fait, je vous explique rapidos, hein, si jamais vous comptez jouer au jeu et que... vous arrivez à ce passage. Si jamais vous laissez Oswald affronter Rued... En fait, Finn sera tellement impressionné par Oswald qu'il va lui jurer fidélité, en fait, et ne rejoindra pas votre groupe. Donc, si vous voulez améliorer donc votre team de raid et tout, va falloir... C'est comme un petit peu, vous savez, avec le traître, là. Si vous trouvez pas le bon traître, eh ben, ce qui va se passer, c'est que Birna, c'était ça son nom, elle ne vous rejoint pas non plus. Donc, faut faire vraiment gaffe, quoi. C'est un bonheur. Salut, ça va ? C'est envahi. Blablabla. Bla bla. Alors, qu'est-ce que je peux améliorer ? Est-ce que je peux améliorer des trucs ? Ah, j'en ai que deux.
Bon, allez. Oui. Ah, mais attendez, mais je crois qu'on peut avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemble, non? Non, on peut pas avoir un aperçu? Il me semblait qu'on pouvait avoir un aperçu de à quoi allait ressembler l'armure. Ok, donc après, c'est un autre type de ressource si on veut l'améliorer. Mais je peux pas avoir un aperçu à ce à quoi ça va ressembler. Normalement, si, il me semble. Bon, c'est pas grave. Non, j'ai pas amélioré une hache qui n'est pas de mon style parce que je cherche vraiment le berserk, moi. Je crois que le look a changé un peu. Bon, on va voir. Je dois dire que je suis fier de mon travail. Ah. Allez, faut que j'y aille. Il semble que le vent me ramène. Était au fait. Et la qualité de mon travail. Et la qualité de mon travail, hein. Attends. Oh. Bon, au moins je peux être une nouvelle rune, c'est déjà pas mal. Moins un de poids, résistance à la distance. Est-ce que je peux remettre une santé? Résistance à distance. Non, résistance à distance, mais... Ah, quoique, ouais, ça peut être sympa. Parce que la résistance à distance, si jamais on tombe sur un gros arbalétier, ça va. Ah, Dogo! Dogo, viens ici, viens que je te caresse. Oh, ça c'est un beau Dogo. Oh oui, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Oh, il y a trop de love dans ce village. Bon. Attendez un instant parce que j'aimerais bien trouver mon tatoueur là. Il est où? Où est-ce que j'ai été le foutre? Je sais même plus à quoi il ressemble. Ça c'est la pêche. Ce serait pas ici par hasard? Caserne. Non. Ici peut-être? Non, ça c'est la pêche. Ah oui, j'ai confondu la pêche avec... Bon, vous savez quoi? C'est pas grave, je regarderai au prochain épisode, je pense. Ah ben non, il est là. Allez! Sur ce, je vous laisse ici. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... Oui, attitude. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, vous conseillez avec ce dicton. Je vous laisse, je fais le vin poutou partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Tchadobai, Bouti Bouti avec l'amour du Pédosago. Peace!